Bonjour, nous sommes le samedi 17 décembre 2022. En ce jour, nous lisons la généalogie de Jésus. Matthieu nous livre une généalogie symbolique. Elle est découpée en trois portions de 14 générations. Le 14 par 3, ça fait 42. Nous sommes dans des chiffres aussi très symboliques dans la Bible. Mais je vous invite à remarquer en ce samedi, avec la présence de Marie, la place des femmes dans ce mémorial très masculin. Marie en particulier joue un rôle à part entière dans le décompte. C'est tout à fait étonnant parce que voilà, ça nous montre aussi la place de la femme dans le mystère de la vie, de la naissance, de la renaissance, dans le mystère, je dirais, de la grâce, le mystère de l'amour. Et à travers ce samedi et cette généalogie, j'aimerais que nous puissions justement remercier toutes les femmes d'abord en priant pour elle, en disant « Je vous salue Marie », pour elle, avec Marie. Et puis aussi prendre le temps de réfléchir à la qualité de nos liens familiaux, du souvenir que nous avons de notre généalogie, du souvenir que nous avons aussi de notre généalogie chrétienne, puisque nous sommes aussi inscrits dans le livre de vie. Alors oui, c'est un arbre de vie. Voilà le sens de la génération, de la généalogie de Jésus. Je trouve ça magnifique. Soyez bénis en ce samedi. Et avec moi, eh bien, nous allons dire ensemble « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que nos cœurs soient brûlés par votre amour, Seigneur, comme chante si bien Martin Smith. Très bon samedi. Dieu vous bénisse.